Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui va structurer nos travaux de rentrée. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. Causecommune.fm. Bonjour madame, c'est Didier. Eh ben, je voudrais parler Lagardère, Bouygues, Dassault, Bolloré, Niel, Drahi, Arnaud, enfin tout le gratin quoi. Ah, Dassault il est plus là. Ok, ah les autres ils sont là, d'accord, ok. Ah ben ouais, je vois bien. Merci. S'il vous plaît les putains de gros riches, faites-moi une petite place. Je vous jure que je suis comme vous, ensemble on est de la même race. Allez les gros milliardaires, vous et moi, on est identiques. Moi aussi je veux qu'on m'applaudisse, tellement j'encule bien l'Afrique. J'en du merde et à ma naissance, je suis sur Cambrai, je suis archiduc. Parce que exactement comme vous, moi les impôts c'est pas mon truc. Moi aussi quand je croise des bonnes meufs, putain j'ai trop la gueule comme vous. Je veux pouvoir toutes les fourrer, sauf ça, ça vraiment du viol. Allez les gros brigands, on est de la même école. Moi aussi j'escroque les gens sans jamais aller en tôle. Je suis même prêt à changer de prénom pour faire un peu plus haut de gamme. Comme vous je suis prêt à m'appeler Barnabé ou bien Ernest Antoine. Comme vous je suis tellement mégalo, je veux racheter toutes les chaînes de télé. Moi aussi je veux décider pour qui la masse doit voter, en faisant croire aux plus couillons qu'ils ont vraiment leurs opinions, alors qu'en vrai ils répètent tous bêtement de la pub. Comme vous, je vis au crochet de l'État, je suis un putain de parasite. Moi non plus, je sais même pas comment on fait cuire des frites. Par contre, j'ai bien compris que les pauvres, ils sont beaucoup trop nombreux. Et si on en supprime quelques-uns, le monde n'en sera que plus heureux. Moi aussi, je veux faire croire aux bidasses qu'ils servent leur pays, alors que c'est juste des larbins au service de vos petites industries. Un jour comme vous, je serai tellement riche, je m'arrêterai plus de bouffer. Je me ferai greffer plein d'estomac pour faire coca toute la journée. Non, laisse la fin comme ça, elle est nickel. Et merci à Didier Super avec les putains de riches d'avoir introduit cette émission. C'est la 9e, c'est notre revue d'actualité, c'est sous les lapsus de l'actu. Patrick Brunteau, bien entendu, est à mes côtés, pas très loin, mais en même temps pas tout à fait là. Patrick, bonjour. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? J'espère que tu as apprécié. Il est midi, il est pas si tôt que ça, mais pour moi, il est un peu tôt là pour le coup, compte tenu de mon emploi du temps des deux derniers jours. Mais tu aimes Didier Super, Patrick? Bah, figure-toi qu'il y a eu un petit bug sur la radio, donc du coup j'ai disparu des antennes, ouais, et je me suis retrouvé avec un copain, donc j'ai zappé un peu le moment. C'est vrai qu'on s'est retrouvé en concurrence sur notre studio virtuel avec l'enregistrement d'une autre émission, mais c'est tout notre sens de l'organisation qui fait que parfois des choses dans l'agenda viennent entrer en concurrence avec d'autres choses qui n'ont pas été mises dans l'agenda, et je suis là ici tout à fait responsable. Mais peu importe Patrick, on est là jusqu'à 14h, alors pareil, toujours beaucoup d'organisation chez Radio Cause Commune. Je ne sais pas du tout si William va assurer son émission de 14h, donc je peux vous annoncer éventuellement un cyberculture, mais je peux aussi dans le cours de cette émission, en fonction de ce qu'il me répondra, vous annoncer que non, la rentrée de cyberculture se fera la semaine prochaine. Alors évidemment au détriment de cet ensemble de fans qui est réuni autour du programme de William, cyberculture, programme historique de Radio Cause Commune. Donc les mecs vont débarquer, enfin les mecs et les meufs vont débarquer sur le chat, ils vont dire est-ce que William est là, et on va leur dire bah non, il est pas là, puis ils vont repartir, bon ils vont être déçus évidemment, ils vont passer une semaine de merde. Et puis il y a tous les fans évidemment de cette émission, Patrick, suivi très attentivement et massivement depuis cet été, depuis que ensemble nous faisant chier dans notre été, on s'est dit que ce serait bien de
causer aux gens dans la radio. Nos fans évidemment sont massivement présents à l'écoute, soit sur le 93.1, soit sur le DAB+ de la région parisienne, soit évidemment sur causecommune.fm, et on se retrouve les amis évidemment sur causecommune.fm, bouton chat, pour dialoguer ensemble pendant le cours de cette émission qui, je vous le rappelle, est totalement interactive. Vos remarques sur le chat, je les répercute à l'antenne et on en parle avec Patrick. Et le téléphone vous est également accessible si vous le souhaitez, 09 72 51 55 46. Alors une semaine, Patrick, encore riche en événements, alors à l'international mais aussi en national, avec notamment, mais on en reparlera un peu plus tard, ce blocus organisé par Emmanuel Macron et ses sbires à l'occasion d'un déplacement récent qu'il a réalisé en région, un blocos total organisé à partir de 17h pour les riverains qui n'avaient pas le droit. Et on s'est retrouvé plongé dans cette époque Covid où on se demandait si dans la dépêche on n'allait pas nous annoncer que ces gens allaient devoir remplir une auto-attestation pour sortir. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont sans doute pas osé. Toujours est-il qu'à partir de 17h, les gens n'avaient plus le droit de sortir de chez eux, sauf cas d'extrême urgence, évidemment. Et s'ils devaient sortir, on les accompagnait d'un officier de police. Bon, voilà, donc ça, on en reviendra, on détaillera ou pas, hein, si on a le temps, cette information. Il y a aussi le fait que, en tant que président de la République, République laïque, donc, sous le coup d'une loi qui détermine les liens entre la religion et la République, la fameuse loi de 1905, donc Macron a décidé d'aller néanmoins assister à la messe du pape François. Alors il y a eu polémique, évidemment, comment ça, pourquoi, et l'idée c'était pour Macron de dire bah non, en fait j'y vais pas en tant que catholique, j'y vais en tant que chef d'État, sauf que le Vatican ne fait pas de visite d'État, donc du coup il a un peu le cul entre deux chaises, notre ami Emmanuel. Bref, ça c'est encore des détails de l'actualité national de cette semaine. Je crois, Patrick, que tu voulais remettre l'accent, ou en tout cas continuer de décrypter l'actualité internationale, au moment où on apprenait hier que l'ambassadeur et certains de ses collaborateurs au Niger avaient été pris en otage par le nouveau pouvoir, après que Emmanuel Macron, dans un énième coup de menton, avait déclaré, suite à la demande des nouvelles autorités putschistes du Niger, de faire en sorte que la représentation française s'en aille du territoire, Macron disant « ce n'est pas le pouvoir légitime, on continue d'être présent en soutien de ce que la France estime être le pouvoir légitime, à savoir le président qui a été mal élu et remplacé par la junte putschiste. Bah, la réponse du berger à la bergère a été immédiate. L'ambassadeur donc a été pris en otage. C'est une information d'hier. Donc tu avais envie d'introduire cette émission en poursuivant les questions liées à l'international, notamment l'Afrique, mais on pourra aussi parler évidemment des émeutes en Palestine, ou encore de cette grève massive et générale qui a débuté en Iran à l'occasion de l'anniversaire de la mort de cette femme qui avait suscité la primo-révolution iranienne. Je sais pas, j'ai un problème de vocabulaire là. On peut dire iranienne. Bah oui, iranienne, bien sûr. Voilà, j'ai les neurones qui ont du mal à se mettre en place. Il est vraiment tôt au midi, c'est compliqué. Je sais pas ce que t'as bu hier soir. En fait, je n'ai absolument rien bu hier soir. Du coup, je suis en train d'encaisser trois jours assez intenses. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais du coup, on part là-dessus et on verra où ça nous mènera.
Mais oui, mais le problème, si tu veux, c'est que moi, j'ai pas pu me documenter, étant donné que j'ai été pris moi aussi en otage. Il n'y a pas que effectivement l'ambassadeur de France, puisque Fabien Roussel a lancé donc un ultimatum aux forces populaires pour envahir les préfectures. Sauf que ces comptes militants du Parti communiste, qui n'ont plus l'habitude de lutter, eh bien, ont envahi Cause Commune et m'ont pris en otage, confondant notre radio avec une préfecture. Donc bon, vraiment, il a fallu l'intervention de Mélenchon contre ce qu'il appelle une initiative violente pour qu'on soit libéré, comme tu le sais, et que voilà. Donc on a pu être libéré avant midi. Voilà, et donc Fabien Roussel s'est excusé sur les ondes, voilà, en disant que c'était partie remise, et donc du coup, normalement, la semaine prochaine, les préfectures devraient normalement être envahies, même si BFM a hurlé contre cette mise à feu de la République, et bien sûr, ils seront les premiers à se terrer dans les sous-sols de Radio France, qui, comme vous le savez, sont dans les quartiers riches et sont tout à fait préservés des assauts de la classe populaire. Donc, soyez rassurés, les journalistes de Radio France et tous les chiens de garde nizanais qui suivent derrière, sauf les pigistes qui sont bien sûr toujours exploités par les journalistes statutaires. Je vous reporte aux magnifiques travaux d'Alain Accardo, notamment, qui a fait un excellent bouquin sur le journalisme et la sociologie du journalisme mainstream. Et donc voilà, donc du coup on fait avec les moyens du bord, et il s'agit de dire aussi contre ceux qui pourraient dire que il y a un petit peu de laisser aller sur Cause Commune, que non, pas du tout. Nous créons des catégories et nous avons le plaisir en avant-première de vous faire part de la création d'une nouvelle catégorie. Tout à fait. Là, et il y en a même plusieurs. On peut plus s'arrêter. Mais bientôt cette émission va devoir à la chaîne tenir l'antenne pendant 6, 7, 8, 12 heures. Voilà. C'est ça, et surtout qu'on pourra égrener, à défaut d'avoir du contenu, on pourra égrener les catégories pendant 6 heures. Effectivement, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Et donc, juste me permets une parenthèse, hein, puisque ça m'a un peu accueilli au réveil, cette info. Tu parlais juste à l'instant des chiens de garde, des médias mainstream. Alors, c'est vrai qu'on a pour habitude, dans le cours de cette émission, et tu adores ça, puisque en pré-retraite, tu passes ta vie devant les chaînes de merde. Hein, tout à fait. Voilà. Et donc, on parle souvent de ce qui s'est passé sur BFM, sur CNews, etc., etc. Mais il y a aussi le côté de la fange audiovisuelle censément raisonnée, social-démocrate, républicaine, laïque, etc., qu'on cite de manière un peu moins massive quand il s'agit d'aller chercher tout ce qui pique et tout ce qui peut nous faire rire quand on est dans de bonnes dispositions, mais nous désespérer quand on est un peu plus clairvoyant. Et c'était sur C'est à vous hier, donc c'est France 5, voilà, l'émission qui est censée émaner du service public et nous proposer une information de qualité, comme ils disent, où œuvre un certain nombre de chiens de garde aussi, et notamment Alain Duhamel, ok, dont le fils s'exprime, hein, de manière assez récurrente sur BFM TV, j'ai oublié son prénom mais peu importe, qui déclarait hier: je pense qu'Emmanuel Macron incarne le 21e siècle, c'est-à-dire tout ce dont les Français ont peur. Il est trop de son époque dans un pays qui n'a pas envie d'être de son époque. Donc la faute au peuple, encore une fois, qu'il conviendrait pour Emmanuel Macron, et en tout cas sous l'invitation de cet homme, hein, qui hante autant les plateaux de télé que toutes les instances éducatives incluses qui formatent les esprits, les jeunes esprits de ce pays, de changer de peuple pour enfin être le président de celles et ceux qui comprennent à quel point cet homme est ancré dans la contemporanéité. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse chien de garde. Je pense qu'elle était importante, en plus elle est toute fraîche, elle date d'hier soir. Bon, bah écoute, tu me coupes l'herbe sous le pied, comme on dit, parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi cette magnifique intervention du sublime Pascal Praud, qui me fait penser aux dirigeants du PPF, Doriot,
sous Vichy, un gros lard, totalement imbu de lui-même et qui a fini sur le front de l'Est, zigouillé avec sa petite armée de SS. Et Pascal Praud, donc on parlait de SS, Pascal Praud qui a sorti un texte élogieux à l'égard de Sarkozy, au moment où on sait que Sarkozy a plus que des charrettes au cul, où Sarkozy est pétri grâce à Mediapart que l'on honore et qu'on les félicite pour leurs 140 articles d'investigation extraordinaires pendant 10 ans de journaliste d'investigation pour montrer toutes les ramifications des réseaux, des hommes, des moyens, des dispositifs que Sarkozy a utilisé avec Claude Guéant, poursuivi lui aussi, et avec donc toute sa clique. Hein. Il y en a bien d'autres dont les noms m'échappent. Heureusement, mon cerveau fait de plus en plus le tri. Et donc, il disait que ce Sarkozy était l'homme de la, à part peut-être de Gaulle, en tout cas il n'en parlait pas, l'homme le plus brillant de la Ve République et l'homme politique le plus extraordinaire qu'il avait jamais rencontré, et que tous ceux qui s'aviseraient à le critiquer en fait seraient dépourvus de neurones. Alors je n'ai pas le texte sous les yeux, mais grosso modo ça circule partout sur les réseaux sociaux et je l'ai récupéré effectivement sur Instagram. Et donc du coup on voit, alors que on pourrait critiquer toujours Serge Halimi, les nouveaux chiens de garde, en disant certes, El Kabach a dit qu'il appartenait à Lagardère. Donc c'est une phrase malheureuse, peut-être avait-il bu ce soir-là quand il l'a dit, mais en tout cas voilà, il a dit de manière prostitutionnelle, j'appartiens à Lagardère. Bon voilà, El Kabach qui a dit ça, c'est pas étonnant, ça fait 50 ans qu'il est là et qu'il contrôle tous les médias, et on fait un clin d'œil aussi à bien sûr à l'absence de toute information sur la Palestine grâce effectivement à tous ces réseaux-là qui permettent de bloquer l'information sur l'état réel de l'oppression et du génocide culturel que subissent les Palestiniens par l'État d'Israël. Et donc du coup, on a à la suite, on a bien sûr Praud, on a BHL qui est. Alors il y a sur Marianne, on a une vidéo de 5 minutes qui conspue totalement BHL, qui le traîne comme il doit être, hein, finalement, à moins que rien, avec ses films où il n'y a même pas 1000 entrées, où effectivement c'est désespérant, à part lui et sa famille et ses copains, et encore, il faut les pousser pour aller voir ça. Et donc voilà, Marianne se moque remarquablement bien de BHL, qui obtient toujours des subventions et des primes pour ses films que personne ne va voir, et où il passe son temps à dire « moi je, et je vois ça, et je fait ci et c'est grâce à moi ». Donc voilà, l'insupportable narcissisme est battu en brèche, complètement détricoté par Marianne dans cette vidéo. Écoutez-la, lisez ce texte remarquable qu'on peut trouver là aussi partout sur les réseaux. Et en dehors de la vidéo, le papier lui-même est très très brillant. Enfin voilà, c'est volontairement méchant et à charge, hein, contre BHL, mais ça fait tellement du bien de lire ça que je vous encourage à le faire. Voilà, donc c'est vrai que on n'en finit pas en fait de déconstruire et si je dis ce mot-là, c'est que il ne doit pas faire plaisir, on ne doit pas prêcher que des convertis, et donc on ne doit pas forcément aller dans le sens attendu du courant critique. Bien sûr, ceux-là sont, on va dire, nos symboles et ils prêtent le flanc effectivement facilement puisque ce sont des quasi bouffons, que ça soit les Zemmour, les Praud, les Duhamel. Je tiens à dire qu'effectivement il y a aussi une journaliste, et je tiens à ce qu'on l'écoute effectivement la prochaine fois, qui montre bien que ces journalistes mainstream vont toujours dans le sens du courant. Et notamment, il y avait cette journaliste qui est passée sur BFM et il y avait en face d'elle Alain Duhamel, et elle égrenait en fait les propos de Duhamel, tout gentil même à l'égard du Front National, encore plus gentil à l'égard de Macron. Le pauvre était pas inutilement mais malencontreusement mal compris, etc. Donc il y avait tout un langage misérabiliste à l'égard de Macron, et elle montrait comment les mots, les adjectifs devenaient vindicatifs et insultants. Alors en fait, c'était pas une journaliste, c'était Chiricou, élu LFI.
Sophia Chiricou, qui a effectivement, alors moi, ce qui m'a fait tiquer sur cette séquence que tu évoques là sur BFM TV, c'est ce que j'ai vu uniquement sur les réseaux sociaux. Hein, je l'ai pas, je regarde pas BFM TV, qui avait, en fait, le moment était préparé et il y a eu en incrustation les fameux termes. Et c'était assez étonnant. J'ai pas compris cette séquence en fait. Comment dans un environnement, dans un dispositif totalement contrôlé et maîtrisé, comme on peut les envisager chez BFM, Sophia Chiricou avait préparé son intervention et en incrustation il y avait les fameux termes qu'elle allait démonter du discours d'Alain Duhamel et de celles et ceux qu'il représente évidemment, puisqu'il constitue en masse ces chiens de garde une uniformité positionnée dans tous les cercles dominants de la société. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant, donc c'est bien que tu relèves ce moment. Mais en même temps, c'est très grave ce que tu dis, Olivier, parce que ça voudrait dire que Marc-Olivier Fogiel a organisé un complot contre Duhamel. Oui. Bah peut-être. Bah écoute, là, à ce moment-là, peut-être. Alors, je crois que Duhamel, on le voit un peu partout en ce moment, parce qu'il a sorti un bouquin. Mais bon, voilà, je me suis pas trop intéressé au sujet. Je m'étonne que sur une semaine, on le voit à la fois dans C'est à vous et voilà. Et là, on vient. Et puis bon, sur BFM, mais je pense que c'est un habitué de la chaîne. Mais il y a une espèce de dispositif là qui vient organiser l'idée que il y aurait la possibilité du débat ou du contre-débat par rapport à la parole qu'on connaît, hein, et que porte un mec comme Alain Duhamel. Donc je trouve ça, je sais pas, j'ai vu ça de très loin, mais j'ai trouvé ça assez intéressant ce moment avec Sophia Chiricou. Ouais. Sur BFM. Et voilà. Et donc effectivement, là c'était effectivement une preuve, peut-être contrôlée ou non contrôlée de BFM, pour montrer effectivement les discours à sens unique où le sens commun dominant peut toujours s'en sortir en disant mais je suis après tout un commentateur et j'ai le droit de commenter dans le sens que je veux, notamment dans le sens de l'arc républicain. Donc effectivement, je considère aujourd'hui que LFI n'en fait pas partie et donc je peux taper encore plus sur LFI. Et donc comme il est porte-parole du sens commun dominant, il aura tous les hommes politiques et tous les journalistes de l'arc républicain à venir conforter son point de vue. Donc il pourra, lui, de toute façon, toujours rebondir, puisque c'est ça le propre du journalisme mainstream, c'est que il a toutes les structures économiques, c'est-à-dire les actionnaires, les directeurs d'antennes, de publications, bref, tous ceux qui font tenir cette propagande, cette idéologie dominante, pour reprendre le concept de Marx, repris par Gramsci, repris par Bourdieu, dans son premier numéro d'Acte de la Recherche. Donc on n'est pas ailleurs que aussi dans la science sociale en disant ça. Il y a effectivement une idéologie dominante aujourd'hui, plus que jamais organisée et tenue de manière très serrée par ces 9 milliardaires, dont le fameux Lagardère, auquel appartient El Kabach. Au moins le message était clair, donc c'est dit sur le bouquin de Serge Halimi, Les Nouveaux Chiens de Garde. Ils se marient entre eux, le bouquin le dit très bien, ils sont les parrains des enfants de l'un ou de l'autre, et cette réversibilité, cette inversion permanente, une fois je suis ton parrain, une autre fois je suis ta marraine, eh bien fait que ce monde journalistique n'est pas du tout en fait séparé des actionnaires, comme on pourrait le croire, avec d'un côté une autonomie relative du champ professionnel journalistique, et puis de l'autre côté, des actionnaires qui de loin regardent que le ton reste à peu près conforme aux attentes du néolibéralisme. Il y a au contraire une intrication très étroite, relationnelle, dans les soirées, dans les mariages, dans les parrainages, et ces gens-là se fréquentent, vivent ensemble, et bien sûr rigolent sous cap quand on a effectivement les mésaventures des répressions sur les classes populaires, sur les travailleurs, sur les chômeurs, sur les immigrés, puisque aujourd'hui on tape à tout va, surtout toutes ces fractions des classes dominées. Voilà, donc quand je vous disais qu'il fallait aussi ne pas être simplement dans quelque chose de convenu et que prendre de la distance, et ben c'était aussi parfois regarder des choses qui peuvent a priori faire mal. Pourquoi je dis ça? Parce que comme Olivier, tu le disais, les relations internationales, ça fait toujours très mal. Alors pas que le gouverneur
soit pris en otage, on s'en fout, c'est le fait que, eh bien, dans ce drame absolu que traversent de nombreux pays sur Terre, et notamment le peuple marocain, mais aussi le peuple libyen, on pourrait parler aussi des Rohingyas, on pourrait parler des Ouïghours, on pourrait parler de pratiquement tous les peuples de la Terre qui sont sous un joug quelconque, et y compris aussi la population russe, eh bien, il faut parler de Mohamed VI. Il faut parler de Mohamed VI parce que par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé, et là c'est pas un hasard, je me suis retrouvé sur le site d'Olivier Stern, qui est un journaliste qui ne mâche pas ses mots justement sur le génocide culturel qui a lieu en Palestine et sur la responsabilité hallucinante d'Israël. Et Olivier Stern est un des rares journalistes qui dit justement à haute voix, en sachant les menaces qui pèsent sur lui, il le dit à haute voix, toutes les démissions des intellectuels, à commencer par les intellectuels juifs, qui sont devenus les porte-parole des services secrets israéliens. Et donc il les cite nommément, il donne leur nom et il montre leur revirement depuis les années 70 où ils se présentaient en philosophes de la démocratie contre le totalitarisme communiste russe, etc. Toute la petite bande de philosophes et qui peu à peu ont été achetés, inféodés et totalement désormais, même pas instrumentalisés, mais totalement partie prenante de la propagande de, non pas des Israéliens, mais de l'État Netanyahou, de l'État fasciste israélien. Il faut bien faire la différence. Voilà, c'est un gouvernement et ce sont des élites politiques bien spécifiques. Notamment, bien sûr, on ne va pas s'en prendre à Yitzhak Rabin qui a été assassiné alors que justement on allait vers la création d'un État palestinien. Et donc, voilà, sur la page d'Olivier Stern qui s'appelle Orient 21, j'allais justement sur cette page, notamment pour aller voir un petit peu ce qui se racontait sur les pays arabes de manière générale, et je tombe sur plusieurs articles concernant le Maroc, et notamment un article qui parle de Mohamed VI. Et d'un seul coup, je me dis, ah ben voilà, le chaînon manquant. Pourquoi le silence de Mohamed VI depuis tant de temps? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Eh bien, on ne peut pas le savoir, puisque bien sûr, seuls les services secrets et sans doute ceux aussi des États-Unis ou de la France le savent. Mais il y a fort à parier que ce monsieur était soit dans son château avec 70 hectares de terre dans l'Oise, en France, soit en Floride, en train de se pavaner dans un des paradis, parce que le papier nous dit que l'absentéisme déconcertant du roi du Maroc, c'est le titre de l'article, et il nous donne beaucoup de preuves qu'en fait, il passe la plupart du temps des vacances perpétuelles à Cuba, en Floride, à Paris, à Betz, voilà, et donc il est quasiment jamais là. Et c'est un problème, étant donné que Mohamed VI est, en tant que dictateur en chef, chef de tout. Il est chef du gouvernement, il est chef des armées, il va même inaugurer l'ouverture d'un stade municipal, enfin d'un stade sportif, d'une piscine municipale à Oujda en 2008. Enfin voilà, il veut être partout, mais il est nulle part. La plupart du temps, il est absent. Voilà. Donc, non seulement il... Comme beaucoup de dictateurs, il y a ce pillage des ressources du pays. Ça, même les élites françaises ont été coincées par rapport à ça. C'est une constante de la corruption des élites. Mais voilà, lui en particulier, il pose problème parce que souvent, il pose des lapins. Alors on apprend dans cet article notamment, qu'il a même posé des lapins à un premier ministre russe qui venait à Rabat en visite officielle. Et donc, bien sûr, la presse marocaine qui est muselée, et malgré une courte parenthèse avec le printemps arabe où il a fallu laisser un peu de liberté, eh bien, dès 2014, en suivant l'exemple du maréchal Sissi, eh bien, tout a été repris en main. Et notamment sur ce site-là de Orient 21, il y a pas mal de papiers de journalistes indépendants qui sont soit en grève de la faim, soit enfermés en prison, soit obligés d'être condamnés à l'exil. Mais voilà, il y a tout un ensemble de journalistes qui luttent au Maroc et pour essayer de produire un petit peu de liberté de la presse et un petit peu de démocratie
dans ce pays sous verrou. Voilà. Et donc, du coup, ce sont maintenant... en fait, ce roi est complètement décrédibilisé. Tous les élites, tous les diplomates du monde se moquent de lui, en sachant qu'il est jamais là. Qu'est-ce qu'on a à la place ? Eh bien, on a un certain Soufiane El-Bari, alors qui est peut-être son amant. En tout cas, il a pratiquement le monopole des photos de Mohamed VI. Voilà. Donc du coup, chaque fois que Mohamed VI est en voyage, eh bien, ce jeune Soufiane de 26 ans rapporte des selfies avec les différents Marocains qui sont partis avec lui à Miami ou à Prague ou un peu partout où il traîne. Et donc en fait, Mohamed VI est très très populaire auprès des Marocains de l'étranger qu'il rencontre pour se prendre en photo. Voilà. Donc c'est là où effectivement il y a tout un discours de propagande pour dire que les photos que Soufiane El-Bari récupère seraient en fait lui seraient spontanément envoyées par ceux qui ont la chance de se faire photographier avec Mohamed VI à travers le monde. Voilà. Et donc les journalistes disent c'est plutôt vraisemblable que c'est l'entourage royal qui lui fait parvenir les photos, pour ne pas dire lui-même les photos qu'il aurait pris en direct avec son roi. Voilà, donc c'est quelque chose où on peut avoir toutes les interprétations qu'on veut avec ce jeune de 26 ans. Je laisse l'auditeur se faire ses propres interprétations. Mais voilà, on a un type qui se fout éperdument de son peuple, où la liberté n'existe pas, où les journalistes sont condamnés à la prison, à la grève de la faim et muselés, et où effectivement il a été très très long à dégainer pour aller au secours de son peuple. Donc ça fait partie effectivement des coulisses, hein, puisque la base du journaliste, c'est les coulisses. Alors c'est facile de taper sur les multinationales, c'est facile de taper sur l'État impérial français et de se féliciter que, pour le coup, Mohamed VI refuse l'aide française. Pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, la France gagnerait une caution symbolique une fois de plus, en passant pour un État humanitaire, en passant pour... voilà, donc c'est le mercurochrome sur la jambe de bois ou la vaseline en fonction des images que l'on veut avoir pour cacher effectivement la France Afrique. C'était brillant. Mais bon, c'était beau là sur la veste. On a en tous les cas, voilà. Bon, c'était pour dire que voilà, il faut taper là où ça fait mal par moment, parce que le peuple marocain peut aimer son roi, parce que le peuple marocain n'a pas l'information, puisque la presse ment systématiquement. Il y a voilà une omerta totale, comme en Russie, comme en Égypte, comme partout, et les quelques journalistes indépendants, sont obligés de passer par des réseaux sociaux ou passer par des supports quasi clandestins pour arriver à diffuser l'information. Donc l'immense majorité du peuple marocain mange la pâtée que les journalistes du pouvoir, une fois de plus, veulent bien lui donner. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai un peu vraiment, pour avoir vécu une semaine assez particulière, vu de très loin, mais j'ai eu le sentiment qu'après les quelques jours de polémiques qui se sont moins concentrés en réalité sur la situation du peuple marocain touché de manière... massive par ce tremblement de terre que du fait que le Maroc ait choisi un petit peu qui allait l'aider ou pas, j'ai le sentiment que cette semaine du coup on est parvenu sur la façon dont le Maroc gérait ses victimes etc, mais je peux me tromper vu que j'ai été très très loin de l'actu cette semaine. Alors tu citais juste Patrick Orient 21 qui est une presse indépendante et qui est aujourd'hui en difficulté, et sans doute c'est intéressant de puisque tu les cites de mettre en avant cette difficulté des groupes de presse indépendants à vivre simplement, ce qui a priori n'est pas le cas par exemple du groupe Les Échos, Le Parisien et LVMH qui cette année puisque viennent d'être publiés les chiffres de ventilation par groupe de la distribution des aides publiques à la presse ont touché quand même 14 millions d'euros, un peu plus de 14 millions d'euros, et parmi les 50, les indépendants, à l'instar de AOC par exemple,
ou encore les jours ou encore Blast sont très 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 loin derrière AOC par exemple à titre de comparaison qui sont 46e dans cette distribution et dans ce graphique que nous propose Edoui Plenel sur le blog de Mediapart cette semaine sont subventionnés par l'État à hauteur de 236 469 euros, voilà 14 millions dans un cas, 200 000 euros dans un autre. Voilà, c'était le moment, je crois, puisque tu citais Orient 21, de revenir sur ça. D'ailleurs, ça mériterait hein, de consacrer un moment d'une future émission au système d'aide à la presse, mais qui s'approche aussi évidemment de la redistribution de la collecte par la SACEM à l'attention des auteurs. Et là, on parle de musique, dont en fait la restitution en graphique qui donne des chiffres face au poids d'un collectif, d'une structure, d'une entreprise, l'état des lieux, une vision assez claire de la façon en fait dont s'organise massivement la construction des opinions publiques. Donc ça, on pourra y revenir dans une prochaine émission. Enfin, je voulais le dire, alors on n'est pas très organisé, etc., donc je vous annonce que William sera bien là à partir de 14h pour le retour de son émission pour une nouvelle saison 2023-2024 sur Radio Cause Commune dans Cyberculture. Et on a quand même, même si on n'est pas bien organisé, une antichambre nous aussi de fact-checking, et donc le fils de Duhamel qui officie brillamment, il faut le dire, en tout cas si on s'attarde à le regarder et si on va y chercher ce qu'on souhaite y trouver, à savoir la bonne restitution de ce sens commun dominant dont tu parlais tout à l'heure, Patrick. Donc le prénom du fils est Benjamin, voilà. Donc on a tenu à me le faire remarquer dans l'antichambre du fact-check de Cause Commune. Enfin, organisation toujours de la radio, Karim est aujourd'hui à la fête de l'humanité. Normalement, il aurait dû nous faire un direct sur place, mais là encore, pas eu le temps de venir chercher le matériel, etc., etc. Donc, on n'aura pas Karim en direct de la fête de l'Huma, mais je ne doute pas que Karim va se trouver du coup sur place des invités pour ses futurs et pour Cause qu'il anime désormais depuis la semaine dernière, depuis deux semaines maintenant, avec Lucas Malter, qu'on salue s'il nous écoute aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour les petites infos. Je te propose une petite pause musicale, Patrick, pour engager une séquence nouvelle de cette émission aujourd'hui. Qu'en penses-tu? Oui, tu pensais à quoi? Bah écoute, je sais pas. J'ai devant moi Immoral et Illégal de Gargantua, j'ai Les Ogres de Barbac, j'ai Soldat Louis. Fais comme tu te sens. Moi, je trouve que comme on n'est pas dans la haine, je pense que les Ogres de Barbac peuvent s'inviter. Eh ben, c'est parti, pas ma haine, des Ogres de Barbac. On se retrouve dans 4 minutes 27. Ils reprendront les chemins de la guerre avec des armes toujours plus effroyables. Ils rempliront encore leur cimetière de pauvres diables. Ils rependront l'épée de Damoclès dessus le cœur d'autres générations. Puis ils voudront oppresser la jeunesse, ces pauvres cons. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils referont des lois liberticides, puis ils nous interdiront d'être en joie. Imposeront, paradoxe stupide, d'avoir la foi. Ils rebâtiront d'autres édifices à l'effigie d'encore d'autres idoles. Rebrûleront des livres, des offices et des écoles. Ils rempliront mon cœur de peine, mais s'ils n'auront pas ma haine.
Ils frapperont les faibles et la sagesse du son des sons qui ont toujours raison. Attacheront les femmes à délaisse à la maison. Ils réattacheront aussi des chaînes autour de coups de gens d'autres couleurs. Exploiteront des esclaves à la chaîne dans la douleur. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils retrouveront des traîtres et des coupables, des mécréants, des enfants de Judas. Accuseront un peuple responsable de leur tracas. Ils referont mourir des pauvres gens dans des prisons sur des terres occupées. Puis ils réenfermeront des enfants colonisés. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils repousseront toutes les limites, allant toujours plus loin dans l'innommable. Ils referont sauter la dynamite dans des cartables. Ils démarieront des hommes et des hommes qu'ils lapideront dans un fratricide. Puis ils leur jetteront dessus leurs pommes des jets d'acide. Ils se redéfieront des étrangers, remonteront des murs toujours plus hauts, peindront des couleurs pour les enfermer sur des drapeaux. Fiers d'eux, ils s'entretueront, nous débarrasserons de leur présence, ces pauvres cons. Puis ils mourront le cœur en peine, sans jamais avoir ma haine. Puis ils mourront le cœur en peine, et moi, je garderai ma haine. Et c'est Radio Cause Commune, c'était Les Ogres de Barbac avec Pas ma haine. Et on remercie évidemment la programmation musicale de Cause Commune d'avoir su réaliser cette sélection aussi aux proches de tout ce qu'on raconte depuis 9 émissions. Alors la suite, Patrick, c'est à toi. Bah, la suite, en fait, c'est déjà réagir à ce que tu as dit, parce que c'est quelque chose qui permet de connecter toujours l'actualité avec la réflexion. Ouais. Et quand tu parlais effectivement du fait que le financement massif donné à LVMH, qui 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Et on parle de subventions annuelles. Hein. Oui, c'est absolument délirant. En fait, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit, en fait, une équation. En fait, c'est une sorte un peu de E égale MC2, en fait, du fonctionnement social, à savoir que le capital va au capital. Alors, ça peut donner l'impression que c'est un truisme, mais en fait... on va voir que cette équation en fait nous sert à déconstruire. Alors déjà on l'a vu puisque tu donnes des chiffres que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc déjà avec ces chiffres-là, on voit déjà de manière indubitable que statistiquement le fric va toujours à ceux qui ont du fric et que c'est ce mécanisme de reproduction, le capital va au capital. Souvent il faut traquer toujours les réalités, creuser et
Il y a notamment un ouvrage, alors on devra faire prochainement tous les deux une émission normalement début octobre avec les auteurs du livre oui. La valeur du service public, oui. Julie Gervais, Claire Lemercier, Willy Pelletier, donc normalement c'est prévu le 5 octobre, mais bon, sous réserve d'eux, il faut encore confirmer de disponibilité, parce que ce sera en plateau, etc. etc. Voilà, et en fait, qu'est-ce que ça nous inspire en fait? Eh bien, que tous les médias dominants nous disent, avec un ton larmoyant, les étudiants sont pauvres, les étudiants ne trouvent plus à se loger, 80% des étudiants aujourd'hui sautent un repas, ils sont obligés d'aller au Resto du Cœur, etc. Donc là, on a BFM, on a CNews, on a tout. Alors, là, franchement, on nous dirait, bon ben, Mediapart, Canard Enchaîné, Cause Commune, remettez votre blouson et déguerpissez, parce que nous aussi, on est capable, comme dirait Giscard d'Estaing, vous n'avez pas le monopole du cœur. Sauf que, c'est se mettre le doigt dans l'œil, pour ne pas dire ailleurs, et donc, tout ça est faux. Tout ça est complètement faux. Non, c'est un scoop. D'ailleurs, on a une rubrique qu'on vient de créer encore, je vais en reparler dans quelques instants, parce que nous créons des catégories, alors que Fidel, lui, il faisait des discours fleuves. Je te jure, Patrick, je ne sais pas dans quelle temporalité ça adviendra, mais je pense qu'il y aura une émission spéciale dénoncer des catégories. Oui. En attendant, on occupe le terrain. Mais tout à fait. Et voilà. Tant qu'on ne s'arrête pas. Et vous aussi, auditeurs, auditrices, vous occupez le terrain. Hein, et si vous voulez que votre voix soit portée, hein, c'est assez unique quand même de pouvoir le faire sur une fréquence FM. Au moment où s'organise hein, du côté de l'ARCOM notamment, mais de l'État évidemment, l'ARCOM étant une instance administrative censée gérer la distribution des fréquences, qui est un bien commun hein, quand même, sachez-le, la fréquence est gratuite, elle est attribuée dans une certaine logique de démocratique, de pluralité des voix présentes sur ces vecteurs, et voilà, au moment où s'organise justement le virage en règle hein, de tout ce qui peut être autrement que ceux de ces groupes qui sont financés massivement, comme l'évoquait Patrick, je peux vous annoncer que s'organise actuellement le départ de la bande FM des radios qu'on représente, des médias qu'on représente, et ça c'est pour la radio, mais pour la presse c'était exactement la même chose. Bref, c'était une parenthèse, continue. Je disais qu'effectivement, les petits sont toujours menacés et les grands sont toujours protégés. Et donc, du coup, voilà, toujours cet effet, alors qu'il se déroule dans toutes sortes de dimensions. Mais surtout, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que la protection des grands organise le départ des petits, en fait. Et à chaque nouvelle décision, c'est toujours plus évident. Et du coup, c'est là que c'est intéressant. Parce qu'il y a une vision, tu vois, il y a une vision, il y a un truc qui se construit en termes de production des idéologies, en termes d'organisation de la parole publique, en termes de construction des opinions. En gros, en résumé, en termes d'imposition toujours plus massive de ce sens commun dominant. Voilà, et c'est là où effectivement toute la si la programmation effectivement de Cause Commune et son cercueil sont déjà dessinés par les dominants. Effectivement, je te l'annonce, hein, 2030. Voilà, Donc du coup, on est presque radio BBC Londres. On est 1600 radios privées indépendantes, donc associatives, à être dans cette situation. De toute façon, ce qui n'est pas étonnant, puisque l'équation du néolibéralisme, de toute façon, c'est de supprimer tout ce qui est associatif, sauf dans certaines limites l'association sociale, c'est-à-dire le caritatif. Oui, parce qu'elle vient pallier un déficit de l'État et des services publics, et elle lui fait non seulement économiser de l'argent, mais aussi elle permet avec cette logique du prends l'oseille et tire
tire-toi, d'éviter que les débordements ne soient trop visibles en réalité. Oui, et puis c'est toujours l'histoire du capital symbolique, c'est que les dominants, plutôt que de montrer leur pouvoir nu, ce qui peut entraîner des insurrections, des révoltes, des soulèvements, eh bien ils mettent effectivement une vaseline qui s'appelle idéologie dominante, qui s'appelle gentillesse, paternalisme, redistribution sociale, etc. Enfin toujours des miettes. Et donc voilà, donc du coup les assos ne sont pas dupes de ça, même si elles s'y engouffrent pour et parfois même en perdre leur âme, comme le mouvement Emmaüs, qui a été à une époque militant. Voilà, il ne s'agit pas non plus de cracher systématiquement sur tout le monde. Et en son temps, même si c'était un député de droite, MRP, l'abbé Pierre a quand même fait bouger un petit peu les lignes, et notamment par rapport au logement, puisque à l'époque, en petite parenthèse, en fait, les bourgeois en fait, ont bloqué le logement social pendant pratiquement une centaine d'années. Pendant l'arrivée des Républicains en 1872, jusque grosso modo la fin des années 50, la bourgeoisie qui était propriétaire et essentiellement rentière, puisqu'il a fallu un sacré coup de pied au cul des Anglais et des Allemands pour que la bourgeoisie française se mette à l'industrialisation. On était vraiment très très en retard, et la bourgeoisie française a toujours été rentière, donc la rente pour exploiter les paysans, la rente immobilière pour piquer le fric des salaires, les maigres salaires des ouvriers, pour les piquer au niveau du loyer, et donc du coup le foncier et l'immobilier ont toujours été deux vecteurs très utilisés par la bourgeoisie française avant qu'elle commence vraiment à se réveiller au niveau des grandes industries, métallurgie, mines, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a du logement social qu'à partir de la fin des années 50, et encore avec l'avertissement de l'abbé Pierre, les ouvriers, à l'époque, étaient logés dans ce qu'on appelait des logements insalubres, ou bien des succursales de restaurants qu'on appelait des garnis. Dans les hôtels, il y avait comme ça des chambres où pouvaient s'entasser plusieurs ouvriers, et surveillés par la police, par le ministère de l'Intérieur, et ça s'appelait les garnis. Et dans les archives, on a des gros stocks de cartons sur ces contrôles de ces ouvriers dans les garnis, parce que bien sûr ça voulait dire aussi prostitution, et donc bien sûr les bonnes mœurs, pendant que les élites dominantes avaient un accès direct au bordel et aux prostituées de luxe, eh bien la prostituée pauvre était elle aussi l'objet de la double peine, puisque sanctionnée aussi. Alors vous pouvez lire aussi des ouvrages d'historiens, notamment pendant la Première Guerre mondiale, où les prostituées justement qui apparaissaient plus massivement que dans la période de paix, parce que il y avait des piou-piou permissionnaires qui venaient à l'arrière et qui, bien sûr, avaient perdu leur femme la plupart du temps, puisqu'elle n'avait pas attendu que le mec revienne ou le mec était mort. Donc, en tous les cas, voilà, il y avait aussi les femmes au travail qui se libéraient. Enfin, bref, c'était un gros bordel, 14-18. Et donc, il y avait beaucoup plus de prostituées, et elles ont fait l'objet de mesures répressives systématiques à cette époque. Et c'était une petite parenthèse pour dire que voilà, le logement, l'abbé Pierre, ça n'apparaît que dans les années 50, les gens étaient et donc du coup, qu'est-ce que propose l'abbé Pierre? Eh bien du temporaire, parce que le logement social va mettre beaucoup de temps à apparaître, et dans quelles conditions? Les grosses barres et les grosses tours qu'on connaît, et c'est l'apparition de ce qu'on appelle les cités de transit. Les gens ne se souviennent pas de ça, sauf ceux qui l'ont vécu. Et les cités de transit, en fait, c'était des baraquements pourris Et on parle des années 60 là. On parle des années 60, qui étaient guère mieux que des bidonvilles. C'était des bidonvilles améliorées. Et il y a d'ailleurs un livre qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps de Jean-François Lahaye et Numa Murard, qui sont retournés. C'était des anciens éducateurs qui sont devenus professeurs de sociaux à Paris 8. Et ils sont retournés 30 ans après dans les cités qu'ils avaient étudiées, notamment pour faire le livre L'argent des pauvres. Et c'est en revenant qu'ils se sont rendus compte que la plupart des familles qui vivaient, donc c'est à côté de Rouen, qui vivaient dans ces baraques et ces garnis améliorés, ces cités de transit, la plupart du temps étaient encore là, quoi. Et avaient pour une partie accédé au HLM, bien sûr les plus pourris, et les autres étaient toujours dans ces mouroirs guère améliorés. Donc voilà, c'est pour dire que le capital va au capital, et que la reproduction, bien sûr, elle est massive au niveau des classes dominées. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dire toutes les émissions qui passent en ce moment à la télé sur les étudiants sont fausses. Les étudiants qui recourent au Resto du Cœur,
c'est faux. Les étudiants qui ne peuvent pas payer leur loyer, c'est faux. Les étudiants qui ont, voilà, bref, leur malheur, tout ça, c'est faux. Alors, ouais, c'est-à-dire qu'on t'explique qu'il y a forcément des possibilités de faire autrement. Ben, en fait, si je dis ça, bien sûr, c'est pas pure provocation, évidemment. Oui. Pour faire, bien sûr, mijoter l'auditeur, avant que je donne, évidemment, la réponse, bien sûr, pour que vous montrez que la réponse, elle va pas de soi et que ça suppose des recherches. Et c'est pour ça que je vous parlais de Gervais, Le Mercier et Pelletier, La valeur du service public, parce que cet ouvrage exceptionnel, très, très facile à lire et qui est, en fait, a été fait par plusieurs dizaines de personnes, pas simplement par eux. Il y a beaucoup aussi de syndicalistes, de militants, de travailleurs sociaux, d'enseignants, de chercheurs, de journalistes, qui ont co-participer à cet ouvrage, qui est une sorte de petite bible du démantèlement néolibéral des services publics. Et donc, ce bouquin donne effectivement des passages qui nous permettent de voir quoi. Alors, ils nous permettent de voir la réponse, quelque part, à ce texte de Bourdieu, il y a fort longtemps, qui disait « La jeunesse, les jeunes n'existent pas. La jeunesse n'existait pas. » Il nous disait par là une chose très simple. Les jeunesses bourgeoises ne vaut pas jeunesse ouvrière. Eh bien, il faut savoir que chez les étudiants, c'est pareil. Les étudiants qui sont pauvres, ce sont les étudiants pauvres de milieux pauvres et d'origine sociale pauvre. Alors que de l'autre côté, les riches, eh bien, parviennent en fait à patrimonialiser l'État, c'est-à-dire que vous êtes enfant, vous êtes le fils ou la fille de LVMH, de Bérard Arnault, eh bien, vous allez faire ENA ou Polytechnique, eh bien, vous allez avoir la chance de vous retrouver dans un véritable petit paradis, c'est-à-dire un magnifique campus aux portes de Paris. Voilà, donc je cite ce petit passage qui fait 164 hectares, c'est-à-dire 110 fois la surface du Stade de France, dont les trois quarts sont constitués d'espaces verts, où il y a des lieux consacrés à la méditation bouddhiste, un dojo où on cherche sa voie, il y a un lac artificiel, il y a un centre équestre, il y a des terrains de football, de rugby, de tennis, d'athlétisme, et il y a bien sûr au frontispice de ces bâtiments à l'entrée, il y a bien sûr la devise de Polytechnique en caractère doré, pour la patrie, les sciences et la gloire. Voilà. Et donc, bon, Giscard d'Estaing était polytechnicien, la plupart des hommes politiques sont soit énarques, soit polytechniciens, et donc je ne détaille pas plus, mais pour HEC c'est pareil, pour un grand nombre de grandes écoles de commerce c'est pareil. Non, les étudiants ne sont pas pauvres. Les étudiants bourgeois ne sont pas pauvres. Non seulement ils ne sont pas pauvres, mais en plus la gamelle est remplie par l'État lui-même qui vient au secours de ces pauvres enfants de bourgeois qui souffrent de n'avoir que 5 ou 6 000 euros d'argent de poche par mois, et il faut bien leur acheter une Ferrari, il faut bien que ces jeunes-là puissent voyager 10 mois de l'année dans tous les pays du monde. Pour, avant de dominer, il faut bien avoir un aperçu du monde dans l'espace de la mondialisation. Voilà. Donc en attendant, eh bien l'État maigrement, chichement, leur propose des petits centres comme ceux de Polytechnique pour qu'ils puissent chichement s'ébattre et structurer leur petit cerveau de futurs dominants, et qu'ils le sont. Donc voilà, il faut le dire, les étudiants, ça n'existe pas. Et quand des journalistes passent leur temps à déjà d'entrée de jeu, c'est louche. Quand ils commencent à nous dire, à la larme à l'œil, qu'on va finalement pleurer un peu sur des gens dominés, déjà faut se méfier. Eh bien voilà, une des façons de se méfier, c'est dès qu'il y a un adverbe, un pronom qui soit équivalent comme ça à une substance, des, eh bien, il faut s'en méfier, et il faut voir que derrière, en creusant un petit peu, on se rend compte que le capital va toujours au capital. Donc ça, c'est vraiment une... C'est intéressant parce que tu donnes une clé, un outil, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, la construction de catégories génériques qui viendraient exposer un des éléments de ce qui contribuerait à avoir une vision globale de la façon ou des façons dont s'organise une société est un outil de diversion pour l'accès à la diversité des situations, et notamment à la réalité de la diversité des situations issues d'un système de domination qu'on tenterait systématiquement de camoufler.
Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ça fonctionne toujours, effectivement, soit directement on légitime, quand on va légitimer abstraitement l'inflation, alors que derrière l'inflation, il y a juste des patrons qui augmentent il y a juste des profits, leur prix, ouais. quoi, c'est tout. et on va décaler ça en appelant ça l'inflation. Soit, effectivement, on fait croire qu'on est peuple, comme ce même Olivier Duhamel, qui, sur BFM, appelait à un impôt unique, c'est-à-dire un impôt exceptionnel, uniquement sur 2023, en appelant à une taxation des riches pour exceptionnellement parvenir à donner plus d'argent dans une redistribution ponctuelle, comme si la pauvreté était ponctuelle, comme si le néolibéralisme était ponctuel. Mais ça n'étonne pas de la part de ce type de journaliste, effectivement, qui, comme toujours, avec les subsides et les secours venant des dominants, sont toujours ponctuels et ne sont jamais structurels. Ce qui voudrait dire réformer la façon dont on fait le capitalisme actuellement dans le monde et en Europe. Et justement, cette uniformisation d'une catégorie étudiante, par exemple, dont en fait les désordres sont à ce point saillants qu'on est obligé de fournir au peuple une explication qui n'est pas évidemment celle de la réalité que tu exposes. On se retrouve avec la semaine dernière, on en parlait, cet article dans le Figaro où on nous explique les difficultés de cette pauvre petite fille de rentier qui semblerait en fait avoir les mêmes problèmes d'accès au logement que la majorité en fait des étudiants et étudiantes qui sont issus des classes populaires. C'est une façon, ce genre d'article, de contribuer à cet aveuglement global, généralisation, uniformisation d'une catégorie pour exposer que non, il n'y aurait pas une organisation sociale, politique et économique qui clairement organise la déprime des uns au profit ou plutôt l'inverse la majesté des unes et des autres au profit de la déprime des uns et des autres, mais non, en fait le problème des étudiants serait général et il convient pas du tout de pointer ici des problèmes structurels d'organisation de la domination. Voilà, et donc la notion de le capital va au capital, c'est un des exemples parmi d'autres, mais à l'intérieur même de nos catégories à nous sur Cause Commune, la catégorie qu'on a créée la semaine dernière, vice au pluriel, ouais, et versa. Eh bien justement, comme j'ai parlé de Mohamed VI, on peut la reconfigurer en fait cette catégorie en vice et versa. Exemple, on prend Mohamed VI avec le fait que on a tapé dessus par rapport à ce qu'il a fait, etc. Mais prenons le cas de Mohamed VI comme le fait de refusant la France. Donc d'un côté, on a un message anti-impérialiste par rapport au fait que le Maroc est un protectorat, que la France refuse des visas, etc. Donc on a toujours cette dépendance. Vous allez voir, je vais venir à la question impérialiste très très rapidement. Et donc, voilà, d'un côté, on a cette information-là d'un Mohamed qui dit non à la France. Et nous, on l'interprète aussi par rapport à ce schéma socio-historique du Maroc. Et on va nous dire, mais toujours pareil, les mêmes mots, impérialisme, domination, etc. Eh bien, grâce à vice-versa, on peut justement titiller la bête et voir que ça marche relativement bien. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme information? On peut prendre l'information suivante, toujours sur les mêmes chaînes mainstream, BFM TV ou CNews, peu importe, on avait, le jour où il y a eu la catastrophe, donc le lendemain de la nuit où il y a eu le tremblement de terre, on a eu Éric Besson, ancien ministre de je sais plus qui, et on s'en fout, en tout cas un ancien ministre, qui s'avère... De Hollande, non? Ou de Sarkozy, je sais plus, parce que c'est un ancien PS, lui. Ouais. Mais oui, mais il a tourné sa veste. Je suis confus sur le sujet, ouais. Et je pense qu'il a effectivement tourné sa veste et qu'il est passé aussi du côté de Sarkozy, il me semble, hein, Éric Besson, mais en tous les cas, voilà que il parle depuis le Maroc, et voilà qu'il se nomme comme ancien ministre, étant à la tête d'une entreprise au Maroc, et en disant, moi, j'ai vécu au Maroc, je vis actuellement au Maroc, etc. Et il dit, voilà, en tant qu'expatrié. Et là, les médias mainstream ne vont pas le reprendre. Sauf que Brunetaux, lui, il le reprend s'il était à la télé, et je le désingrais. Parce que
comme tous ces gens-là passent leur temps à désinguer du migrant, eh bien, je rappelle qu'avec Olivier Pulvar, on a écrit un bouquin sur les métros à la Martinique qui s'intitule en sous-titre « Une migration de confort ». Donc, en fait, Éric Besson n'est pas un expatrié, c'est un migrant. Il migre, mais c'est un migrant blanc, donc les catégories de l'idéologie dominante ne vont pas le désigner comme étant un migrant, ça serait une insulte. Le migrant, c'est l'arabe, le migrant, c'est le noir, c'est celui qui va être prolo, qui va nettoyer vos rues, c'est celui qui va finir rapidement sa vie dans les usines automobiles sur les chaînes, c'est celui qui, et ça on pourra en faire un petit point plus tard si vous voulez, travaille dans ce qu'on appelle le tâcheronnage, qui est un dispositif juridique parallèle à l'intérim et qui permet de prendre des gens pour faire un travail de bête de somme, notamment dans l'industrie agroalimentaire de la volaille, qui est aujourd'hui le premier poste d'ouvrier de France. Et donc ces migrants qu'on peut exploiter comme on veut, etc., sont des migrants, et s'il vous plaît, laissez-les avec ces termes-là, immigrés, migrants, migratoires, etc. Par contre, le beau français, lui, il est métropolitain quand il va dans les territoires colonisés, comme la Caraïbe, les Antilles françaises, ou bien en Nouvelle-Calédonie, et ou même en Afrique de l'Ouest, il s'appelle métropolitain ou il s'appelle expatrié. Ou coopérant, c'est encore mieux, coopérant, c'est très sympa. Coopérant, on inverse complètement le regard impérialiste et du coup on devient, on fait de l'abbé Pierre, on est un humanitaire, on vient piller le pays mais on s'appelle coopérant, on vient coopérer. Donc c'est magnifique. Et donc derrière ces termes-là, Éric Besson en fait dévoile la réalité structurelle de cette histoire africaine, qui est une histoire de pillage, qui est une histoire d'occupation. Il faut savoir qu'il y a 500 000 européens qui tiennent les rênes des entreprises multinationales en Afrique, tous les postes d'ingénieurs, directeurs de fabrication, etc. La plupart du temps, statistiquement, pas à 100%, mais statistiquement, sont tenus par ces blancs, par ces expatriés. Et là, Éric Besson, il est quoi ? Eh ben, Éric Besson, il est PDG d'une entreprise suisse qui bosse au Maroc. Elle aurait pu être française, elle aurait pu être néerlandaise, anglaise, voilà. Et donc, Une grande partie de la fortune, de la capitalisation, des investissements et de l'économie sont tenus par des gens qui sont pas marocains. Et donc du coup, certes, on peut se féliciter de ce bras d'honneur que Mohamed VI adresse à la France, mais derrière, comme disait ma grand-mère, c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat, parce que derrière, la grande masse structurelle de la domination, eh bien, c'est les Marocains qui la subissent, cette domination, et qui en font les frais au jour le jour, puisque ce pays est toujours aussi pauvre et continue à être pauvre année après année. Et voilà, donc du coup, on voit bien que là, vice-versa, nous aide vraiment très bien. On pourrait prendre le cas de la Libye. On va dire oui, les méchants ingénieurs qui n'ont pas entretenu les barrages et du coup paf, 11 000 morts. Oui, mais on oublie que c'est quand même Sarko et l'autre là, comment il s'appelait de la Grande-Bretagne, le premier ministre Tony Blair. Ah c'était Cameron. C'était peut-être Tony Blair. Tony Blair c'est plus ancien que ça, pardon. C'est Cameron, oui. Et bon voilà, les deux compères, notamment Sarkozy qui était très intéressé pour désinguer Kadhafi au vu de toutes les casseroles qu'il a aux fesses, que justement grâce à Mediapart on peut justement découvrir aujourd'hui de façon extrêmement documentée et sur la base de ces documents repris par des juges qui aujourd'hui ont inculpé effectivement la plupart du staff de Sarkozy. Eh bien, là aussi, on peut faire un vice-versa. D'un côté, les inondations avec la façon de cracher sur les Libyens en disant « mais c'est normal, c'est des barbares, ils savent même pas entretenir un barrage. Regardez ces sauvages-là. Si nous, on n'est pas là pour entretenir les barrages, eh bien voilà, et ça pète et ils se noient. » Eh bien non, grâce à vice-versa, eh bien on peut voir qu'effectivement, ce pays-là, qui avait certes un Kadhafi, un gros prédateur sexuel qui aurait mérité mille fois crime contre l'humanité, par ailleurs, était quand même un combattant de l'impérialisme occidental et avait quand même diffusé massivement des universités, des redistributions sociales, bref, avec son pétrole, il y avait quand même une stabilité, il y avait quand même un certain nombre de choses qui se passaient au niveau de l'économique. Et notamment sa lutte contre le franc CFA, il voulait absolument désinguer la présence française en Afrique de l'Ouest. Voilà, finalement, on a eu sa peau, mais avec les effets que l'on sait aujourd'hui sur le démantèlement, le retour des chefs de clan, donc c'est le comparatisme, en tenant, je pense, vice-versa, ça nous aide aussi à neutraliser un type d'information en pouvant aller piocher une autre information qui permet d'en prendre toute la mesure.
Et juste petit point de détail puisqu'on était un peu flou sur le sujet. Donc Éric Besson, effectivement, alors du coup on comprend un petit peu pourquoi il a installé sa société Éric Besson Consulting à Marrakech, enfin, en tout cas sans doute pas fiscalement, mais en tout cas pour son activité actuelle. Il a été effectivement un cadre du Parti Socialiste et qu'il a quitté pour rejoindre la campagne de Sarkozy, la première hein, en 2007, et c'est bien ministre de Sarkozy qu'il a été jusqu'à 2012. Voilà. Bon, c'était pas mal. On avait en plus un traître, pour ne pas utiliser d'autres mots. On a vraiment le voilà et tous ceux bien sûr la Macronie tous les socialistes qui sont passés du côté de Macron voilà donc on a là aussi on pourrait en faire une émission sur la notion de traître sur la notion de collabo parce que là effectivement du côté des socialistes depuis 83 on pourrait même dire que le Parti socialiste devrait s'appeler le Parti des traîtres parce que déjà si on fait juste un résumé des ouvrages des Pinson-Charlot tous leurs ouvrages en fait tendent à montrer que le néolibéralisme a été massivement porté, non pas par la droite, mais par le Parti Socialiste au gouvernement, puisque justement, s'appeler socialiste, comme on le disait avec l'idéologie dominante, hein, on va pas dire qu'on est là pour opprimer l'ouvrier, on va juste dire que il est inemployable, il faut la flexibilité, il faut l'autonomie du travailleur, il faut se recycler, il faut être dynamique et devenir coach. Enfin bref, tous les mots actuels du new management. Voilà. Donc on a là effectivement un exemple supplémentaire de ces langages, de ces traîtrises qui se dissimulent. Et je rappelle, grâce au Pinson-Charlot, je rappelle que Hollande a sorti un bouquin anonyme avec un faux nom, je ne sais plus lequel, en 83, pour demander au Parti Socialiste de virer sa cutie et de devenir néolibéral. Mais il l'aura réussi hein, à la tête du Parti Socialiste pendant plus de 12 ans, je crois, et ensuite, évidemment, à la tête de la France pour un mandat unique. Et du coup, Patrick, tu as cité deux références. Donc du coup, moi, je vais faire un petit peu mon marketeur de Radio Cause Commune sur la question de Tripoli, de Kadhafi et de la Libye. Je vous renvoie à l'émission 149 du Monde en question qui accueillait Jean-François Lhuillier qui est ancien chef de poste de la DGSE à Tripoli, qui a été en mission pendant 3 ans, donc juste avant ou en tout cas pendant la période où troubles dans les relations entre Sarkozy et Kadhafi qui ont on le sait maintenant et clairement, enfin bon voilà, je sais pas si on mérite un procès de le dire, mais conduit à l'assassinat de Kadhafi. Pour le reste, on vous renvoie évidemment au papier de Mediapart sur le financement de la campagne de 2012, mais du coup il était là, Jean-François Lhuillier avec Isabelle Cortian, une émission très intéressante où lui-même en tant que ancien chef de poste à la DGSE, en tant qu'espion hein, qui travaillait avec les services secrets libyens pour adresser un certain nombre de problématiques notamment liées à la lutte contre l'islamisme armé, lui-même dans le cadre de cette émission, même s'il le dit pas et pourtant mais c'est comme si en fait par rapport à son engagement décennal hein, il a toujours été au service de la France au travers de la DGSE, il a du mal à dire que les services secrets français ont finalement sur instigation de la présidence de la République clairement commandité l'assassinat de Kadhafi. Il a du mal à le dire et pourtant c'est en sous-texte tout le temps, c'est-à-dire que lui par rapport à sa vision d'agents secrets sur le terrain, il ne met pas de lien entre la façon dont s'organisaient les relations avec la Libye et le fait qu'au final on lui demande subitement du jour au lendemain de rentrer et que 2 mois après Kadhafi est assassiné. Donc cette émission est assez intéressante, une parole libre de la part de Jean-François Lhuillier, mais en même temps le mec est tellement pris lui-même dans ses propres contradictions
contradiction au service de la France qu'il a du mal à verbaliser, et c'est un choc logique pour lui d'aller jusqu'à dire que bah oui, clairement il y a un sujet France dans la révolution libyenne et l'assassinat au final de Kadhafi. Et puis deuxième référence, tu parlais de Monique Pinson-Charlot que tu avais reçue hein, il y a quelques mois, voire peut-être ça se compte en termes d'années. Monique Pinson-Charlot à l'occasion dans Un monde rêvé de Georges, j'ai pas le numéro en tête mais peut-être que les chatteurs pourront me le rappeler, tu avais reçu Monique Pinson-Charlot à l'époque, c'était à l'occasion d'un documentaire qui sortait et qui racontait un peu leur vie de sociologue chez les riches avec son mari décédé désormais, voilà. Et tout récemment Eugénie Barbeza recueillait la parole de Monique Pinson-Charlot à l'occasion de la sortie de son nouveau bouquin qui s'appelle Le méprisant de la République, c'est le numéro 49 de Liberté sur parole, et je vous dirai plus tard quel est le numéro des mondes rêvés de Georges où il y a un très bel entretien très, très sympathique de Monique Pinson-Charlot avec Patrick Brunteau ici à l'antenne. C'était un bon moment quand même cette interview, Patrick, je me souviens. Oui, sauf que on n'a pas été invité à la projection de ce documentaire. En revanche, si tu le veux, le documentaire, je l'ai. Ah ben oui, bien sûr. Comme ça, on pourra un petit peu voilà participer au loin, ouais. Mais voilà, on est toute proportion gardée. Le capital vaut capital. Je pense qu'effectivement, il était plus important qu'il y ait la responsable de la communication, de la découverte, à gérer tout ça, plutôt que des obscurs journalistes. Voilà, je pense que ça, c'est des lapsus aussi. Ce sont des lapsus. Non mais c'est mais effectivement, t'as raison. Et ça, c'est super important parce qu'effectivement, on était censé quand même être invité aux projections de presse du documentaire après avoir reçu pendant une heure et demie Monique Pinson-Charlot et effectivement on n'a jamais été recontacté quoi. Voilà, donc mais nous en tout cas à l'inverse ça fait la transition avec le fait que paradoxalement à l'opposé de ça, eh ben même si le capital va au capital, eh bien le sous-capital va au sous-capital. C'est exactement la démonstration, ouais. Et nous on n'est même pas le sous-capital quoi. Et nous, justement, comme on est le néant et le rien de ce capital symbolique, eh bien, on va parler d'un autre néant qui, avec notre fameuse rubrique qui vient d'apparaître sous les radars, qui est une rubrique qui permet de dire que l'actualité, c'est pas simplement le gros caca, le gros torchis de BFM, CNews, qu'il faut se farcir, puisque c'est important de voir comment fonctionne l'idéologie dominante, et surtout sa prétention à croire que ce sont des faits ou de la actualité, mais justement parler de choses qui sont sous les radars, dont on ne parle pas du tout, et justement notamment alors, quelque chose... Alors avant que tu partes Patrick, je pense qu'il est temps, ça fait 1h20 d'émission quasiment, 1h17, je pense qu'il est temps de faire avant cette rubrique sous les radars une nouvelle petite pause musicale. Je sais pas ce que t'en penses. 09 72 51 55 46 si vous souhaitez auditeur auditrice de Cause Commune intervenir sur cette première séquence de l'émission 1h20, on est là 2h qui ont été quand même plutôt riches, je trouve. N'hésitez pas, 09 72 51 55 46. On a également à votre disposition le chat de la radio, on est sur le channel Antenne Libre avant que dès la semaine prochaine on s'organise chez Cause Commune et qu'on dédie un canal spécifique à cette émission qui maintenant a droit de cité de manière unique et explicite sur le site de la radio sous les lapsus de l'actu. Donc il y aura un channel dédié la semaine prochaine. Pour l'instant on est sur Antenne Libre. Je vous rappelle que juste à 14h c'est William que vous retrouverez derrière ce micro. On est en direct, je ne sais pas quelle date nous sommes, mais on est là jusqu'à 16h, une petite pause musicale et on revient pour cette rubrique sous les radars de l'actu. Juste, qu'est-ce qu'on passe? Gargantua, moi Soldat Louis, je sais comme tu veux. Est-ce que tu peux nous mettre Guillaume Ibo sur l'imitation de Joe Dassin? Ah merde, je l'ai pas prise là.
Ah bah, je ouais. mets ce que tu veux, je te bon, laisse, vas-y. Bon, ok. Alors, c'est Gargantua et on le mettra en sortie parce qu'effectivement, c'est assez drôle, mais j'ai pas eu le temps de préparer le son. On se retrouve après Gargantua, c'est immoral et illégal et c'est 3 minutes 39 et juste après, c'est la rubrique Sous les radars. Juste à titre de rappel, l'équipe social-démocrate de Cause Commune évidemment ne cautionne pas ce titre. Vous êtes à l'écoute de Sous les lapsus de l'actu. Patrick Brunto avec moi comme chaque samedi depuis cet été. On en était, Patrick, à la rubrique Sous les radars. Je te sentais bien parti là, je pense qu'on va terminer l'émission avec ça. Et en attendant, je vous rappelle que vous pouvez évidemment intervenir dans le cadre de cette émission. 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46, c'est le numéro de téléphone et le chat évidemment causecommune.fm bouton chat. On est sur antenne libre. Patrick, c'est à toi, Sous les radars de l'actu. En tout cas, on peut pas tout le temps avoir un grand thème du jour comme les émissions précédentes avec les soulèvements des jeunes, etc. Bon, même si effectivement on a un gros thème du jour qui va nous occuper pendant pas mal de temps, c'est ce fameux projet de loi une fois de plus avec ce terme
l'immigration. Ouais. Projet de loi sur l'immigration. On y reviendra parce que il y a beaucoup à dire dessus. Notamment, il y a aussi des choses qui relèvent presque de la folie et qui sont toujours entérinées par le projet de loi, notamment la circulaire Valls. On y reviendra. Voilà, là, c'est au-dessus des radars. Mais sous les radars, ce qui est intéressant, en fait, de voir, c'est que les petites mains que nous sommes n'ont pas d'existence, et quand on vient même les attaquer, eh bien, on n'en parle pas. L'exemple, le lycée autogéré de Paris. Ouais. Franchement, est-ce qu'on a du temps à perdre avec une fourmi au milieu de cette immensité de l'école républicaine, avec ce lycée que Mitterrand a... Alors, je rappelle le contexte. Si oui. Mitterrand a laissé ce lycée autogéré être monté après le début de son règne, avant que le néolibéralisme soit entériné en 83, on est en 82. Pourquoi? Pourquoi le Parti Socialiste fait des narcs et de bourgeois a-t-il voulu faire ça? Il faut savoir que il y avait depuis mai 68, les étudiants posent problème. Depuis mai 68, les lycéens posent problème. Il y a eu des manifestations en veux-tu, en voilà, avec la réforme de Vaquet, avec les réformes de Juppé, avec des stages bidons pour les étudiants, etc., etc. Donc, il y a tout un processus que les socialistes voulaient juguler. Et une fois de plus, comme on l'a dit, l'idéologie dominante, elle sert en fait à masquer en disant, regardez, on a fait ça, on n'est pas complètement des chiens, on essaye, on fait des expérimentations, on redistribue un peu, etc. Donc, l'équivalent structural des 10 millions de LVMH pour que Monsieur Adam Blanche fasse le beau à l'égard des Restos du Cœur, l'équivalent structural, c'est Mitterrand qui fait le beau en ouvrant, en laissant ouvrir par Jean et Jacques Lévy cette expérimentation avec un des frères aussi de Cohn-Bendit qui se retrouve pour monter ce lycée autogéré. Alors, tout de suite... on va se dire autogestion. Alors non, déjà c'est un service public, ça fait partie de l'éducation nationale. Sauf que les méthodes pédagogiques sont celles de tout le courant de l'éducation non directive, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'école actuelle, qui est une école violente où les élèves rentrent. En tout cas, moi j'étais frappé par les instituteurs et tous ceux à qui j'en parle de ma génération ont aussi été frappés par le proviseur, frappés par les profs, ça a disparu tendanciellement. On est en régimenté, surveiller et punir de Foucault. On arrive dans des classes, on doit se taire. Il y avait un journaliste de France, je pense que c'était France Info ou sur la 5, qui demandait à ce que même on fasse une sorte de vénération, de génuflexion devant le prof quand il rentre dans sa classe. Il appelait à un regain d'autorité. Donc on a tout ce contexte aujourd'hui extraordinaire. Qui vise voilà à sanctuariser l'éducation nationale, mais une éducation nationale qui est violente, qui reproduit les classes sociales à travers les inégalités scolaires, on en parle tout le temps, etc. Et donc là, on a parallèlement à ça, justement des écoles parallèles. Et ces écoles parallèles, elles visent d'abord au bien-être de l'élève. Et ce bien-être de l'élève, il ne passe pas par l'acharnement à la note individuelle, puisque l'école capitaliste, comme le disait Baudelot et Stablet dans leur ouvrage paru chez Maspero il y a fort longtemps, l'école capitaliste en France, elle fonctionne comment? Alors évidemment, l'école capitaliste, c'était bien un titre, bien sûr, beaucoup plus hard que les héritiers ou la reproduction de Bourdieu et Passeron. Mmh. Là, ça mettait les pieds dans le plat direct, l'école capitaliste en France. Mais quand on voit comment l'école fonctionne, c'est très simple, on peut le voir tout de suite. C'est... Le système méritocratique n'est qu'en fait un système de performance où les plus forts écrasent les plus faibles dans la classe, déjà. Avec la remise des copies en public, où Charles-Henri aura 19 et sera félicité par le prof, et puis le prof va balancer la copie à la figure de Mouloud ou de Bernard, parce que voilà, il maîtrise pas le français, il parle pas bien, et puis il se retrouve avec 3, 5 ou 8 sur 20, et le prof se fatigue à lire ces copies-là qui sont inintéressantes, alors que Charles-Henri est tellement brillant et tellement sublime. Donc, la pratique, la praxis scolaire, la notation individuelle, c'est déjà l'apprentissage de la capitalisation.
c'est l'apprentissage de tu vas accumuler ton capital à travers tes performances, à travers tes prestations. Tu vas avoir tes bulletins scolaires qui vont te suivre toute ta vie. Alors au Japon, c'est depuis la maternelle. En Europe, c'est, on va dire, à partir des premières notes du lycée. Hein. Si on veut faire une classe prépa en France, les lycées qui font des classes prépa vont éplucher les bulletins scolaires sur toute la période du lycée et parfois même remontent au collège. Donc il y a un examen minutieux pour voir si on est un traître ou si on est un héritier, si on est digne d'appartenir à une classe prépa. Et les classes prépa, bien sûr, vont permettre de reproduire les normaliens, les énarques, les polytechniciens dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc cette école, c'est de la violence en concentré, c'est du jus concentré de reproduction et de violence qu'on fait passer pour le service public, etc. C'est pour ça que moi, je me pose toujours plein de questions quand je vois des sociologues de gauche dire la défense du service public, alors que non, en fait, eux font la défense du service public, puisqu'ils sont en permanence en train de légitimer. C'est pas parce que c'est du public que forcément c'est bien, et c'est pas parce que c'est payé par l'État que ça met de la bouffe dans les assiettes des gosses à la cantine scolaire. Donc, et sans parler des fournitures et de tous les vêtements qu'on doit payer, etc. Donc l'école, à côté de ça, le lycée autogéré, c'est une magnifique expérience, à côté de Freinet, à côté de Vitruve, qui existe que pour l'école élémentaire, qui est dans le 20e, qui marche très bien, qui fonctionne sur cette pédagogie à l'écoute de l'enfant, avec des activités, par exemple. Je vais vous donner un exemple très simple, parce que je connais bien Vitruve, j'y suis allé à plusieurs reprises rencontrer les enseignants, et il m'avait donné un exemple tout simple, mais qui sera éclairant pour les auditeurs. Vous avez Mohamed qui est rejeté, et c'était le cas dans l'exemple que l'enseignant m'avait donné. Mohamed qui tabassait les gosses à l'école, etc. Puisque comme il est moqué par tout le monde vu qu'il a des mauvaises notes, du coup la spirale infernale fait qu'il se venge sur tout le monde en jouant le caïd dans la cour de récréation. Il est viré et il se retrouve à Vitruve. Et les enseignants l'accueillent, puisque l'école est obligatoire, et Vitruve c'est le service public, et les enseignants ils disent « Bon, qu'est-ce que t'aimes Mohamed ?» Et Mohamed répond, bah, j'aime le football. Et il dit, bon, très bien, tu seras président du club de football de l'école. Donc, génial. Ouais. Et donc, Mohamed, tu vas devoir faire la liste de tous les élèves qui veulent faire du foot. Donc, et à partir de là, avec la méthode Freinet, c'est exactement ça la méthode Freinet, c'est on prend la pratique, on prend le réel, on prend l'envie pour un support pédagogique. Et à partir de là, Mohamed commence à établir ses listes, il commence à rencontrer les différents élèves, à leur parler, à devoir coucher par écrit son projet, comment vont se faire les entraînements, comment vont se faire les rencontres par équipe, etc. Et au bout du compte, peu à peu, Mohamed rentre dans le français et il rentre dans plein de domaines, y compris les maths, puisqu'il commence à compter le nombre d'élèves ici, le nombre d'élèves là, et progressivement, eh bien, le lien social se fabrique aussi, puisque du coup, il rétablit la balance avec les autres élèves, ainsi qu'avec les enseignants. Donc ce sont des méthodes qui parfois sont extrêmement simples, et alors que la plupart des parents vont cracher sur l'autogestion, sur les gauchistes, etc., en fait, ce sont des pratiques de bon sens qu'un paysan pourrait avoir, qu'un ouvrier pourrait avoir, que n'importe qui pourrait avoir. C'est tout simplement avoir du bon sens. Qu'est-ce que tu aimes, toi, et qu'est-ce que tu es prêt à faire par rapport à tes compétences. Voilà, donc c'est un des exemples parmi tant d'autres. Et donc, le lycée autogéré de Paris, c'est seulement 30% de réussite au bac, parce que quand les élèves arrivent, eh bien, le lycée autogéré dit « on veut pas de parents ». C'est aux élèves de venir, c'est aux élèves de discuter avec les enseignants, mais pas les parents. Donc déjà, c'est un principe intéressant, c'est pas les parents qui font la vie de l'élève, c'est l'élève qui fait sa vie, qui construit sa vie. Et donc, c'est déjà une autonomie. L'élève apprend à être autonome. Alors, ça marche pas forcément, il y a effectivement des échecs, mais c'est ça la vie sociale, il y a toujours des échecs. Et donc, parmi ceux qui vont être là, eh bien, certains vont passer le bac et d'autres vont être justement mis devant des projets alternatifs. Voilà. Et ces projets alternatifs, eh bien, ça peut être le fait que tel élève aime faire du rap ou tel élève aime écouter de la musique. Eh bien, il va organiser des soirées. C'est lui qui sera le responsable du son. Il va rencontrer différentes personnes pour mettre en place les groupes, pour mettre en place la fête, pour mettre en place le calendrier, les musiques sélectionnées, etc., etc. Et bref, ça va prendre des mois et il va se mettre en compétence et peut-être qu'il deviendra après un spécialiste du son. Il va s'intéresser à tout ce qui concerne l'audiovisuel, etc. D'autres
au LAP vont changer les ampoules parce qu'elles sont souvent grillées. Et à partir de là, va se dire que la formation en électricité l'intéresse. Et il y a comme ça plein de vocations qui s'ouvrent à travers des voyages, qui sont eux-mêmes organisés par des élèves, à travers des rencontres, des débats, des discussions, des gens de l'extérieur qui viennent, parce que c'est la grande différence avec l'école publique classique, c'est que la plupart du temps, c'est fermé, on reçoit personne. Là, au contraire, des gens de l'extérieur viennent, nourrissent aussi les différents projets. Et voilà. Donc, c'est pas une école extraordinaire, c'est juste une école qui défend l'envie de l'enfant, là où il en est avec avec l'adolescence qui est si compliquée. Et donc du coup, aujourd'hui, notre petit capot en chef Attal veut supprimer le lycée autogéré de Paris. Voilà. Donc c'est ça qui est pour le moment l'enjeu et la lutte actuelle de ses enseignants et de ses élèves. Absolument. Et venu de Longomaille et tout particulièrement pour ce projet spécifique autour du lab de Radio Zinzine, dont on va pas refaire l'histoire ici, on en parlera plus précisément notamment la semaine prochaine. Nous est venu Gustave Brunteau, n'est-ce pas, reporter spécial pour Radio Cause Commune. Alors Gustave, pour celles et ceux qui nous suivent depuis 2018, a fait partie de notre cheptel, on va dire ça comme ça, de primo stagiaire, voilà, et depuis du chemin s'est parcouru, mais en tout cas Gustave a lui-même été élève au lycée autogéré de Paris, et il se trouve qu'une dernière saillie en cours du ministère de l'Éducation nationale sous la coupe ou en tout cas sous la direction aujourd'hui de Gabriel Attal est en cours. Une manifestation se tenait cette semaine, organisée par le lycée autogéré de Paris, que tu as brillamment, je trouve, Patrick, introduit. Je t'en remercie, notamment en revenant sur l'histoire des expérimentations freinées sur certaines écoles primaires, puisque freinées s'applique aux écoles primaires, là en l'occurrence parisienne, mais il y en a évidemment partout en France. Une manifestation a été organisée, c'était ce mardi, devant le rectorat de Paris. Une centaine de personnes, Gustave y était pour nous, il a recueilli un certain nombre d'interviews, de paroles, à la fois de professeurs mais aussi d'élèves. Depuis, il a recueilli de nouvelles paroles, etc. Et on essaie d'organiser pour la semaine prochaine un plateau. En tout cas, on aura sur ce sujet un reportage à vous diffuser. Oui, donc c'est vrai que voilà, on est très attentif au fait que ce projet alternatif qui effectivement n'est pas le seul, puisqu'il y a dans le secteur privé, on a Steiner, on a Montessori, mais dans l'espace public, effectivement, il y a plein de profs aussi à l'échelle individuelle qui, sans le dire au rectorat forcément, sans le dire aux inspecteurs, le terme déjà inspecteur académique, font du Freinet, essayent d'intéresser leurs élèves. Oui, en dehors d'une inscription dans les dispositifs qui ont été identifiés comme expérimentaux à une époque où l'éducation nationale avait encore un petit recul sur elle-même et qu'elle était génératrice d'initiatives, mais clairement pertinente, quoi. Donc c'est là où effectivement faut pas mélanger tout le monde. Et à l'intérieur de l'éducation nationale, il y a des centaines voire des milliers de profs qui font un travail extraordinaire. Absolument, oui. Et qui voilà inventent à leur échelle des solutions. Par exemple, sur Marseille, je citerai le cas d'un proviseur qui ne remettait des médailles qu'aux enfants en difficulté, et donc les gosses qui avaient les meilleures notes avec les félicitations, tout le bastringue, eh bien eux n'avaient pas la médaille, et le proviseur était très attentif à remettre la médaille avec un discours qui expliquait les avancées, les progressions des différents élèves en difficulté qu'il avait lui-même personnellement suivi pour être aussi à côté des profs. Donc il y a toute cette ambiance de travail collectif qui fait qu'au lieu d'être un superviseur administratif des enseignants,
Un manager Excel, quoi. Ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bah, le proviseur était une sorte voilà, d'enseignant bis, d'éducateur bis, de CPE bis. Et donc, du coup, ça se passe bien. Alors, voilà, il fallait que les parents expliquent aussi à leur boss, maintenant, tu n'auras pas tout, tu ne vas pas tout rafler et tu ne seras pas voilà, le super élève avec les super étendards. Et voilà. Et il faut aussi. Et donc, ça permet aussi d'apprendre aux bons élèves que, et non pas simplement aux jeunes. Dominés, qui sont toujours stigmatisés par l'école qui remet une couche dans les classes, que ces mêmes élèves-là sont informés que la solidarité républicaine, quand on prend vraiment la solidarité républicaine et à la lettre et au cœur, dans les tripes, je dirais, eh bien, elle est capable de faire aussi de l'excellent travail. Et donc, du coup, ça marchait. Tous les parents adoraient, parce que du coup, les parents aussi faisaient la leçon à leurs propres gosses en leur disant « Eh bien, arrête de te plaindre, prends conscience de ce qui vient de se passer, regarde ce rituel. » Parce que ça se passait avec un rituel. Mmh. Donc, tous les élèves étaient obligés de voir ça. Tous les élèves étaient obligés de voir les félicitations que tel ou tel élève qui était en difficulté pouvait recevoir parce qu'il avait fait ça à côté, parce qu'il avait contribué à faire ça, etc. Mmh. Et c'est toute l'intelligence pédagogique que d'essayer, comme toujours, de valoriser la personne, alors que le travail scolaire en tant que tel, peut être insuffisant. Donc, tous les rapports qui ont pu être faits par ces pédagogues, et notamment par Bourdieu, que Mitterrand avait sollicité, mais pour l'enfariner, du coup, Mitterrand avait abandonné après avoir fait ses 10 propositions au président de la République, qui sont des propositions qui vont aussi dans ce sens-là, eh bien, insistait toujours sur le fait qu'il faut jamais, jamais, jamais invalider la personne. Mmh. Il faut toujours dire, là, l'aspect de ton travail est insuffisant, là tu peux t'améliorer, mais c'est pas la personne qu'il faut attaquer. Et ne serait-ce que de faire ça, déjà au niveau pédagogique, ça classe aussi beaucoup les enseignants. Et Karim vient de nous rejoindre et je suis convaincu qu'il a des choses à dire sur cette séquence qui illustre, c'est la première de cette émission, évidemment. Je pense que la rubrique Sous les radars va s'installer au fil des semaines, hein. C'est le rythme de cette émission, Patrick, brillamment illustré. Là on est vraiment dans un sujet totalement sous les radars et qui, s'il devenait visible, pourrait à son échelle révolutionner l'un des instruments de construction d'un réel et d'une société plus juste, plus égalitaire et en tout cas plus désirable. Karim, t'as un truc à dire Patrick disait. Déjà bonjour, ouais, salut. Première remarque. Salut Karim. Salut Patrick, ça va? Je trouve qu'Olivier a une voix d'ostropolitech aujourd'hui. Je suis fatigué. C'est un truc de ouf. Ouais. Mais ça passe bien en fait à l'antenne, je t'écoutais dans ma cuisine tout à l'heure quand je faisais cuire mes carottes, c'était plutôt pas mal. Mais je suis pas sûr de ça, d'être en capacité vraiment d'organiser mes idées, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, non, c'était plutôt construit. Et deuxième remarque, je pense que je vais inviter Benjamin Duhamel, parce qu'il a été voilà, vous l'avez cité de nombreuses fois, donc je vais essayer de le booker dans Et pour cause un lundi soir et le séquestrer. Et puis, surtout que c'était pas un mauvais journaliste à la base, Benjamin Duhamel, c'est ça qui est assez assez rigolo, quoi. Ouais. On peut aussi considérer cette contamination des gens qui a priori avaient un potentiel à nous amener justement vers une construction du réel qu'on aurait envie aujourd'hui. Moi, j'ai toujours de louer, peur des fils d'eux en fait, plutôt que machin, et le mec bah voilà, par facilité, par embrouillement, lui aussi c'est une victime en fait. Benjamin Duhamel, il était pas mauvais à la base. Il a été à l'origine de reportages pas délirants, à l'époque où il était pas encore il avait pas encore son rond de serviette de chien de garde à BFM. C'est dommage, mais il y a peut-être même une émission complète à faire sur ces gens qui sont partis dans une dérive, alors qu'a priori peut-être ils pouvaient être aussi des alliés. Donc dire à nos éditeurs que j'ai croisé William au premier étage, il est allongé sur le canapé, mais il est là, il est bien là, il est prêt à descendre dans quelques minutes, et c'est le retour de William quand même, c'est un événement. Voilà, et puis vous deviez, alors sur l'école, juste une parenthèse, moi j'ai fait émissions là-dessus, évidemment je pense qu'il y a un vrai souci, et comme vous l'avez dit, et heureusement, parce qu'il y a des profs qui se défoncent et qui vont au-delà de
la note en géométrie, etc., et qui te regarde dans les yeux en disant mais t'es pas si con que ça, et que t'as d'autres compétences, et tu parles bien, et t'es rigolo, et je te valorise autrement. Et je pense qu'il et voilà, ton propos, Patrick, était, je trouve, vraiment pertinent. Il faut construire l'école autrement, et évidemment c'est important de savoir lire, écrire, compter, mais on a mais des... ça tu peux le faire par d'autres intermédiaires. Absolument. Que voilà, que celui l'école. D'un dispositif rigide quasi mais totalitaire, mais te regarder, hein, dire ouais. Mais t'es quelqu'un de bien et c'est bien ce que t'as fait et t'es sympa et t'es drôle, je peux t'assurer que tu dors autrement le soir quand tu vas te coucher. Voilà, expérience personnelle. Donc voilà, donc c'était important, et ça on l'a fait plein de fois, on l'a évoqué à l'Éducation nationale, l'école. Je l'ai croisé, Gabriel Attal, il y a 15 jours, voilà, il vous passe le bonjour. Ouais, c'est pour ça qu'il est pas venu la semaine dernière. En fait, Patrick, Karim, il m'avait annoncé son arrivée à 13h, et en fait et il était là, bossait, il a passé 2 heures avec Gabriel Attal. Non, bon, je l'ai écouté, ouais. Ouais, il était bronzé. C'est vrai, il était bronzé. Je me dis, est-ce qu'ils ont un petit jardin dans la cour d'éducation du ministère de l'Éducation nationale? Non, mais il n'était pas dans le jardin de l'éducation. Ah bon, d'accord. Et vous deviez parler, et vous l'avez pas fait, parce que je vous ai écouté, sur le fait qu'on a confiné des personnes concernant l'arrivée de Macron qui devait... Bah ouais, en fait, c'est une actu que j'ai vue passer, ouais, mais j'ai pas eu l'occasion de traiter. Là, le problème, c'est que mon information est totalement partielle, si je ne sais d'accord, pas. Là, il faudrait que je... Tu creuses un peu le truc. Ouais, on l'a... Okay. Mais ça, c'est une réalité. C'était hier, je sais pas où Macron est... Dans un bled, là. Est allé, et effectivement, les gens étaient confinés à partir de 17h. Ils n'avaient pas le droit de sortir, et s'ils le faisaient pour des raisons, alors encore une fois, qui décide des bonnes raisons ou des mauvaises, c'est tout le sujet. S'ils devaient effectivement pour des raisons validées sortir, ils l'étaient accompagnés d'un représentant des forces de l'ordre. D'accord. Voilà. Ouais, c'est fou. Mais ça, c'est vraiment une parenthèse. Oui. Autre chose, alors, on y reviendra vraiment la semaine prochaine avec la diffusion des sons de Gus, ceux que j'ai déjà en ma possession, mais aussi ceux qu'il a pris depuis jeudi, notamment des professeurs. Alors juste pour revenir à l'origine, et encore une fois Patrick, merci pour cette rubrique sous les radars, qui a exposé de manière synthétique et du coup importante par rapport à cette émission et à ce qu'on veut porter chez Radio Cause Commune, la question de l'éducation nationale et de toutes ces initiatives qui existent, qui ont été à un moment institutionnelles, puisque l'implantation de la méthode freinée dans un ensemble de d'écoles primaires, elle a été à l'initiative de l'État à une époque où encore il exerçait sa gouvernance dans une logique réelle de bien commun et d'épanouissement de ces populations. Donc pourquoi le lycée autogéré aujourd'hui, enfin sur quelle base aujourd'hui le lycée autogéré se retrouve encore une fois sur la sellette du ministère de l'Éducation nationale? C'est Gus qui me l'expliquait mardi dernier. On a passé de nombreuses heures ensemble à discuter de tout ça. Alors quand je dis Gus, c'est Gustave, je sais pas s'il apprécie qu'on réduise son prénom, mais peu importe, il est à la fête de l'UMA aujourd'hui, donc il ne nous écoute pas, donc c'est pas grave. Et en fait le lycée autogéré, en tout cas voilà, qui est quand même une expérience dans l'expérience, voilà, qui dure depuis une trentaine d'années maintenant, fonctionnait dans le recrutement de ses professeurs par cooptation, et c'est sur la base d'une énième cooptation pour cette prochaine rentrée que le rectorat a trouvé le biais pour attaquer le lycée autogéré. Donc ça, c'est intéressant, c'est pareil, on aimerait bien, même si intuitivement on comprend ce système de cooptation des profs, puisque c'est un petit peu l'histoire de la transmission de ce pourquoi ce lycée existe et dans quelles conditions et avec quel dispositif on le construit, qui fait que le truc, bah, parfois marche, comme tu l'évoquais Patrick, parfois ne
marche pas, mais c'est pas grave. En fait, on sait très bien que là où ça marche, c'est forcément des mômes qui ont été récupérés d'un système qui, de toute façon, avait décrété qu'ils étaient dans la catégorie de celles et ceux pour lesquels ça n'allait pas marcher. Donc, c'est autant de mômes. De mômes qui sont sauvés du coup on aimerait bien, et c'est ce que Gus est en train de travailler en dehors des au-delà des sons qu'il aura pu capter à la fois à l'occasion de cette manifestation qui comme je le disais tout à l'heure réunissait une centaine de personnes devant le rectorat, c'était mardi dernier. On est en plateau des profs qui viennent nous expliquer en quoi c'était important et aujourd'hui bien entendu on ne s'étonne pas que le rectorat nécessairement a mis en avant la rigueur et surtout l'unité, l'uniformité disons-le plus clairement de l'organisation du corps professoral et que c'était trop facile pour eux d'aller chercher l'histoire de cooptation pour aller pourquoi pas dénoncer des dérives sectaires, des dispositifs qui allaient à l'encontre de ce fameux arc républicain en intégrant dans son dispositif de production des dérives par rapport à cette pseudo uniformité républicaine que propose l'éducation nationale. Donc on en parlera plus précisément la semaine prochaine. T'avais un autre truc sur un petit mot par rapport au LAP. En fait la stratégie du gouvernement en fait c'est la dilution. Ouais. La dilution, ouais. Elle est très simple, elle a déjà été faite sur Doc Rowley, en primaire et en collège, enfin maternelle jusqu'au collège. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à Doc Rowley? En fait, les enseignants qui viennent à Doc Rowley, à part quelques-uns qui étaient déjà là et qui ont fait toute leur carrière à Doc Rowley parce qu'ils étaient dans le projet pédagogique, c'est le rectorat qui a la main sur le recrutement. Ce qui fait que quand un prof part de Doc Rowley, eh bien, les profs qui vont être mis sont des profs qui sont en bout de course. C'est-à-dire qu'ils, c'est soit l'arrêt longue maladie pour dépression, soit va te reposer à Doc Rowley. Donc, il y a des profs comme ça qui arrivent à Doc Rowley, qui sont complètement exténués. jusqu'à prêt à mourir, à se suicider. Donc on les fout à Doc Rowley pour se reposer parce que c'est cool, parce que on s'en fout des notes. Il y a pas de notes à Doc Rowley, il y a pas de devoirs à Doc Rowley. On fait pas de devoirs. Donc du coup c'est un soulagement. Et d'autre part, il y a des jeux m'en foutistes. Des gros cons en fait qui peuvent être aussi des gros fachos qui viennent là en fait pour pourrir qui sont en pleine santé mais qui vont tout simplement pour chercher des noises. Donc j'ai des souvenirs particuliers de certains enseignants avec lesquels je me fritais abondamment, qui étaient pour moi des vrais petits capots et qui étaient toujours tout le temps dans la punition, la réprimande, enfin comme dans l'école on va dire là du début de la Troisième République. Et donc ces gars-là, effectivement, n'ont rien à faire à Doc Rowley. Donc je pense que l'éducation nationale, en reprenant la main sur le recrutement, va faire perdre l'identité finalement du LAP, LAP, parce qu'il y en a à Saint-Nazaire et à Nantes aussi. Oui, il y en a deux en fait. Plusieurs. Ouais. Voilà. Donc c'est ça un peu la stratégie. Il y en a sans doute d'autres, bien sûr, de vouloir peut-être aussi récupérer les terrains. Après, parce que c'est dans le 15e. Mais après c'est tout à fait avec une emprise assez importante en fait en immobilier, etc. Mais en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que et c'est pour ça que je parlais de la transmission tout à l'heure. Le problème des initiatives freinées, c'est que au-delà de l'expérimentation qui a été lancée sous la coupe du pouvoir socialiste quand il était encore respectable, tu l'as noté tout à l'heure Patrick, a pu se poursuivre dans certaines écoles primaires parisiennes. Alors je dis parisiennes parce que je connais un peu le
le sujet puisque j'y vis, mais elles sont pas identifiées comme telles, et c'est en fait la transmission entre les équipes enseignantes, etc., qui a fait que la mémoire de cette expérimentation et l'organisation du coup qui lui correspond a été ou pas suivie par les équipes qui se sont succédées. Et ça, c'est juste un premier point de compréhension de pourquoi au LAP on a établi un système de transmission qui repose sur la cooptation, voilà. Et aujourd'hui il y a encore quelques spots d'écoles primaires freinées à Paris. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas recensées, et en fait il y a que les vieux de la vieille qui savent que mettre tes mômes là, c'est parce que la transmission a été réelle, qu'on est toujours dans cette expérimentation. Donc voilà, on est là évidemment dans la question des transmissions de ces dispositifs à une heure où ils n'ont en fait plus aucune légitimité institutionnelle. Ouais. C'est vrai qu'on nous reste que très très peu de temps dans l'émission. Ouais. C'est vrai qu'on a complètement zappé le fait qu'on est aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de l'assassinat de Mahsa Amini. Et ça, c'est sous les radars en Iran. Ouais. Et que du coup, il fallait effectivement dire au moins pour les Iraniens qui nous écoutent, les réfugiés politiques, effectivement, non seulement ils continuent d'être assiégés et menacés par les services secrets iraniens qui sont présents à Paris, il faut le savoir, et qui continuent effectivement à harceler les exilés politiques. Donc ça, les Français ne peuvent même pas l'imaginer, mais c'est Paris est une des plaques tournantes des officines des services secrets. Enfin, il y en a énormément. Il y a peut-être plus d'agents secrets que de population à Paris aujourd'hui. Il y en a de tous les côtés. On pourra en parler dans une autre émission, mais ça pose problème. En fait, on va d'autant plus en parler la semaine prochaine, Patrick, puisqu'à l'occasion de cet anniversaire, une grève générale s'organise dans de nombreuses contrées iraniennes. C'est tout neuf, hein. On verra comment ça évolue dans le courant de la semaine, et évidemment on reviendra dessus la semaine prochaine. Voilà, en sachant qu'effectivement on a aussi parmi les actualités, on a bien sûr aussi la Palestine, puisque voilà, il y a des émeutes en ce moment qui ne pourront pas cesser parce qu'elles sont structurelles, puisque il y a toujours pas d'État palestinien, et on est loin d'en avoir un aujourd'hui au vu de cette colonisation fasciste des populations fanatiques d'extrême droite qui sont les colons israéliens soutenus par leur gouvernement, et donc voilà, on est toujours avec les mêmes pratiques de vol de terre, de spoliation des maisons. C'est documenté sur tous les réseaux sociaux. On voit des familles foutues dehors avec des faux titres de propriété qui sont sortis, ou même parfois sans titre de propriété, des familles qui sont là à jubiler devant la famille palestinienne en disant tu es impuissant, tu peux rien faire, c'est moi maintenant qui suis là, et dégage. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de génocide culturel, qui est absolument sous les radars en tant que concept dans le champ scientifique, mais qui, pour moi, est tout à fait pertinent au vu de tout ce que l'on peut savoir, hélas, souvent de la part de militants et quasiment pas de chercheurs en sciences sociales. Donc là, je le dis, une grosse honte collective des universitaires et de tout ce qui est institution de recherche par rapport à ce qui se passe en Palestine. Eh bien, je te remercie, Patrick. On va terminer là-dessus. C'est une belle entrée en matière pour l'émission de la semaine prochaine. Alors, William s'est assis à la table. William qui est prêt, a priori, à reprendre. Avec quelques modifications chez Cyberculture, a priori, William. C'est Karim, t'es là ou pas? Non, je t'ai pas. Non, j'ai là, Karim. Moi, je voulais introduire William, ça fait longtemps. Ah, tu veux introduire William? Il voulait m'introduire, j'ai eu peur, j'étais en train de me faire. Il était là, il s'est levé direct du canapé, quoi. Ouais, j'arrive. Et Patrick m'a donné envie de crawler. William, ça va? Ah oui, je suis content du crawl. Salut, William. C'est la première de la saison, t'es de retour. Oui. Ouais, c'est cool. Et je me suis aperçu qu'il y avait de la vibration sur la table sur le plateau, et qu'on sentait le métro. Et il m'a dit, mais en fait, t'as jamais mis les pieds ici, en fait. Il est toujours derrière la vitre, Lucas. Il est toujours derrière la vitre. Ouais. Ok, donc bon. William, on te retrouve dans quelques instants. Il a préparé son émission. Tu pourras toi-même. Il y a deux émissions que je vais présenter. Il y a deux émissions maintenant.
Ok, bon, ah, on en parlera dans quelques minutes. Patrick, je te propose de nous quitter avec Soldat Louis. Rappelle-moi, c'était une proposition musicale que tu nous avais fait aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté Soldat Louis. Je ne connais pas ce titre, donc on va se quitter avec ça. Je vais juste après vous retrouver évidemment William pour Cyberculture. Merci à toutes et toutes d'avoir suivi cette émission. Dommage que vous n'ayez pas pris la liberté de vous y exprimer. Ce n'est pas grave. On va forcément y arriver à un moment ou à un autre. Merci Patrick. Merci Olivier, merci Karim, à bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine. Cyberculture, c'est dans quelques instants. En attendant, c'est Soldat Louis avec Rappelle-moi. La langue, autocrate parisien, ignorait sans doute que la lande ne peut changer de parfum. Si le vent fait parfois qu'elle tangue, que rien ne la retient, il semblerait bien aussi qu'elle chante son éternel refrain. Une mélodie païenne et sacrée, rebelle et indomptable, qui nous rappelle par sa fierté qu'elle est inaliénable. Peut-être pour nous faire retrouver irrévocables, les mots qui disaient la foi, la peine, l'amour, la guerre, parfois la haine. Appelle-moi, il y a comme un défi entre eux et moi, c'est loin d'être fini. Appelle-moi, si un jour je faiblis entre eux et moi, une frontière s'établit. Histoire de calmer l'indigène, conquistador français, fait des droits de l'homme un chant des sirènes, pour qui résisterait. Le Cortés des temps modernes n'est pas franchement inquiet, la colonie serait pathogène chez certains de ses sujets. Mais comment faire passer sa colère au siècle d'allégeance? On ne peut pas toujours croiser le fer, écrire ses doléances. T'évites une centrale nucléaire, tu sautes une redevance. Quand sur les le pétrole fait de la plaisance. Appelle-moi, il y a comme un défi entre eux et moi, c'est loin d'être fini. Appelle-moi, si un jour je fabrique entre eux et moi, une frontière s'établit. Plutôt que de vivre sous le joug, subir ou se cacher, comme d'autres l'ont dit bien avant nous, viens rejoindre notre armée. On va tenter les crocs des loups, ici on a donné, annexer puis tenir à genoux, enfin c'est un métier. Et qu'une dernière fois on nous entende, il n'y a plus rien à prendre, que nos voix se mêlent à la lande, ici y a des comptes à rendre. Le temps ne compte plus désormais, avec un peu de patience, demain cette terre ne sera plus un jouet.